Le Mini Studio ScanCube et son logiciel Easy ScanCube vous permettent d'effectuer plus de 100 photos professionnelles par jour dans votre entreprise sans avoir de connaissances particulières. Vous pourrez ainsi effectuer des photos selon la charte graphique souhaitée, que vous pourrez travailler selon vos besoins de e-commerce, de réseaux sociaux, de catalogue et même logistique. Un template est un modèle cliquable qui reprend les éléments suivants de votre charte graphique. La lumière, le cadrage et multicadrage, le nommage de vos photos préenregistrées manuellement ou à l'aide d'un fichier via un lecteur de QR code ou de code barre, la configuration de votre appareil photo numérique, le traitement de l'image, le contraste, la saturation des couleurs, ainsi que l'image fantôme. Une fois votre template activé, vous placez votre produit dans le caisson grâce à l'image fantôme. Vous zoomez sur n'importe quel endroit de votre produit via la fenêtre focus, vous cliquez directement sur l'écran et votre rendu est parfaitement net. Vous pouvez dès à présent prendre votre photo ou votre animation. Elle s'enregistre dans le format de votre choix, dont le WebP. Pour détourer votre produit, vous cliquez sur le bouton « Détourage automatique » puis sur l'icône « Appareil photo ». Vous obtiendrez ainsi votre photo détourée. Enfin, vous pouvez créer des animations à l'aide de notre plateau 360 rétro-éclairé. Je sélectionne d'abord le mode de prise de vue, angle multiple. Je sélectionne ensuite le nombre de photos souhaitées, puis je clique sur « Prendre les photos ». Le logiciel va automatiquement prendre le nombre de photos sélectionnées avec une rotation de plateau et monter votre animation qui sera directement exploitable. Une fois le process de shooting terminé, votre template aura configuré votre animation au format désiré, prêt à l'emploi pour votre site de e-commerce ou vos réseaux sociaux. Grâce au ScanCube, vous pourrez alors effectuer en grande quantité des photos de haute qualité et réduire vos coûts de shooting en quelques clics.